Bonjour, je m'appelle Karine Dormoy, je suis une militante féministe béninoise. Pour commencer, je dirais que les féministes d'Afrique francophone se mobilisent chacune dans leur pays. Et il y a un moment, grâce à l'Agora féministe Equipop, qui a donné lieu aux voix féministes d'Afrique francophone. Et dans le document de positionnement, comme je l'ai porté, justice linguistique, c'est l'un des messages qui résonne plus pour moi parce qu'en tant que féministe d'Afrique francophone, nous sommes moins représentés dans les espaces globaux. On voit plus de féministes anglophones et même celles qui sont francophones dans ces espaces sont en minorité et ne sont pas valorisées. Leurs voix ne sont pas assez amplifiées. Alors nous plaidons pour que nos voix soient également entendues, écoutées, pour que nous puissions exister dans ces espaces sans pour forcément adopter la langue des autres. Nous voulons exister en parlant notre propre langue, en partageant nos expériences, en partageant nos histoires, nos récits dans nos propres langues et que ça soit considéré et pris en compte.